ou bah, beaucoup de choses. Moi, je dirais que Billerger, en deux mots, pour moi, c'est un partenaire. Parce qu'en fait, Laure est quelqu'un de chiante, qui dit les vraies choses. Et en fait, c'est des gros mots que j'employais, mais effectivement, c'est quand on est au pied du mur et qu'elle nous dit ce qu'il faudrait faire. Et elle a souvent raison, et donc c'est un peu pénible parce qu'en fait on voit la montagne de choses qui arrivent, mais en fait globalement elle donne le chemin, et donc ça c'est intéressant. Plutôt que d'être béni oui, elle confronte en fait sa propre opinion. Donc voilà, donc c'est des fois pas très agréable à entendre, mais ça permet de mieux avancer en fait au final. Laure a toujours 3 coups d'avance, donc en fait c'est assez déroutant, parce qu'en fait quand on est entrepreneur au début d'un projet, on voit un petit peu juste devant nous à 50 mètres. Et elle voit déjà 3 km. Donc en fait, on se dit, oula, il y a encore tout ça à parcourir. Donc c'est déroutant, mais en même temps, je me rends compte que 3 ans après, je suis effectivement là où elle m'a dit que je devrais être. Donc en fait, c'est très intéressant de pouvoir travailler avec Billerger et avec Laure, et quelqu'un qui a cette vision de stratégique et loin, et qui en fait ne se contente pas juste de faire ce qu'on lui demande, mais qui au contraire challenge. La proposition, le pitch, et essayer d'emmener beaucoup plus loin la personne, pas pour des intérêts commerciaux, mais pour en se disant bah tiens, je vais pouvoir comme ça le garder pendant 3 ans. Non, pas du tout, c'est vraiment dans l'optique de dire, moi ce que je veux, c'est que le projet de la personne qui est là assise en face de moi réussisse. Donc comment je peux l'aider à réussir? J'expliquais très brièvement, en fait j'avais un projet là que j'ai présenté cet été, et en fait on s'est rendu compte que c'était pas solide du tout, qu'il y avait un début d'idée, mais que voilà. Donc en fait, l'intérêt avec Laure, c'est que elle aurait pu juste faire ce que je lui ai demandé, mais en fait, elle m'a tout chamboulé, et ça va ressortir dans 6 mois, mais beaucoup plus solide que ça ne l'aurait été à ce moment-là. Donc c'est pas du quick win et du court terme, mais en fait, on a besoin de quelqu'un aussi à nos côtés. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés qui sache me faire voir à long terme. On devrait t'intégrer beaucoup plus dans nos décisions en amont, au sein de l'équipe, pour que tu puisses nous aider à avoir un œil neuf. C'est plus, moi en tant qu'entrepreneur, je me rends compte que je ne devrais pas t'intégrer juste dans des projets solo, mais au contraire t'intégrer dans des projets d'équipe pour pouvoir avancer beaucoup, beaucoup mieux en fait dès le début. Graphiquement, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une découverte, c'est toujours surprenant, il y a toujours un pas de côté. Ça donne vie en fait. Quand justement on est entrepreneur, on a une idée en tête, mais là avec un logo, une carte de visite, on dit bah ça y est, je peux y aller. Puis en plus le logo il est classe. Et puis en plus quand il y a les propositions qui arrivent, il y a toujours un peu de... Ouais, ça pétille. Toujours interpellé, et enfin moi je suis toujours interpellé. Alors, je recommanderais Billerger les yeux fermés, parce qu'en termes de création, c'est toujours unique. En termes de stratégie, c'est toujours différenciant. Véritablement, ça vaut le coup de travailler avec Billerger, ouais.